Bonjour mes petites étoiles, voilà, me voici pour la surprise du jour, pour mon anniversaire de chaîne, Angel Lumière Divine. Ça fait 2 ans, 2 ans déjà, le temps passe vite. On est de plus en plus nombreux, on est 42 000 abonnés, c'est juste incroyable. Et pour ça, pour vous récompenser, pour vous faire plaisir, je voulais vous faire une surprise. Voilà, alors me voici dans un lieu magique, magnifique. Regardez. Voilà, on est au château de Dampierre en Yvelines, en plein cœur de la vallée de Chevreuse. Regardez comme c'est beau. Entouré de verdure, de forêt. J'ai commandé le soleil entre les nuages parce que c'était pas gagné. Il y avait prévu, enfin, c'était prévu de la pluie. Hier, il a plu toute la journée. Voilà, donc j'avance jusqu'au château, enfin pas jusqu'au château, au pavillon de Lille, qui fait partie du château, château de Dampierre en Yvelines, dans le cœur de la vallée de Chevreuse. J'ai eu la chance, la grande chance et l'opportunité que le propriétaire du château, Francky Mulez, me laisse entrer à l'intérieur de ce pavillon pour faire ma vidéo. On a vraiment l'exclusivité et la chance que on puisse bénéficier de ce lieu si magique, si particulier, extraordinaire. Voilà, donc je voulais vraiment arriver avec vous, vous faire découvrir cet espace splendide et magnifique. Donc on va avancer sur le petit pont, on va traverser une sorte de rivière qui mène sur le lac. Alors le château est en restauration, rénovation jusqu'en 2024, mais vous pouvez quand même y rentrer et aller voir, visiter le chantier en fait. Mais il y a un grand grand parc magnifique. Alors, regardez, j'avance. Voilà. Voilà le pavillon de Lille que l'on me prête pour cet événement. Alors, je vais essayer de prendre du recul pour que vous puissiez le voir. Je vais essayer de ne pas tomber dans le lac, ça serait dommage. Ça serait drôle, mais voilà. Donc, on est le 14 juillet 2021 et c'est mes 2 ans de chaîne. Et j'ai la chance de vous faire visiter ce pavillon, pavillon de Lille. Alors, regardez, c'est dans son jus. C'est juste waouh! Alors je vais fermer derrière moi parce que, comme vous le savez, quand je suis dans un endroit, j'attire le monde. Donc, je vais refermer. Voilà. Et regardez comme c'est beau. C'est juste incroyable. Regardez comme c'est magique. J'ai pas de mots tellement je suis heureuse de vous faire bénéficier de cet endroit, de ces énergies. C'est comme si le temps s'était arrêté. Oh là là, regardez, il y a des trésors que j'avais pas vus.
Magnifique. Juste magnifique. Donc c'est un pavillon qui est fermé, hein, qui est pas ouvert au public. Donc là, vous avez vraiment la chance de pouvoir découvrir ça à mes côtés. Regardez. Ah bah la porte s'ouvre toute seule. C'est qu'il y a quelqu'un qui rentre, un esprit. Alors attendez, je vais essayer quand même de refermer. Parce que comme vous pouvez voir, constater, il manque des carreaux. Donc le vent rentre. Alors heureusement, il pleut pas. Voilà, alors attendez. Je vais essayer de fermer tant bien que mal. Donc on était par là-bas. Donc les esprits sont bienvenus, hein. Là, il y a des rois, des reines, des princesses qui sont là. Regardez, c'est vraiment... je pouvais pas mieux espérer pour les 2 ans de ma chaîne. C'est incroyable. Et regardez cette vue. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors j'espère que vous m'avez entendu parce que le micro était caché. C'est les joies de l'improvisé, du spontané, vous savez comme je suis, hein. Donc je vous fais profiter de ma vallée de Chevreuse, de ce temps nuageux, mais quand même avec le soleil qui apparaît de temps en temps. Regardez. Comme c'est joli. Je remercie vraiment le propriétaire et toute l'équipe du château de Dampierre qui me permet de réaliser ce rêve. Pour tout vous dire, ce château, je le connais depuis toute petite, mais je n'avais jamais visité puisque jusqu'à présent, jusqu'en 2020, 2021, ouais, 2020, le château était fermé et le nouveau propriétaire, Francky Mulez, a ouvert le château au public et c'est génial. Si vous voulez passer une belle journée en famille ou tout seul, il y a des calèches avec des chevaux. C'est juste superbe. Il y a plein d'événements. Je vous invite à aller voir le site internet du château. Donc là, au loin, vous voyez le château, mais qui est recouvert d'une protection pour la rénovation. C'est juste superbe. Voilà. Alors, j'ai pu voir tout à l'heure, c'est dingue, hein. Alors, il y a une fresque qui est un petit peu sur le mur, mais qui est effacée. Et il y a des noms d'écrits. Vincent. C'est peut-être un signe pour l'une de vous ou l'un de vous. Joa. Gare. Et là, vous avez une date M plus S. Le 27-7-2015. On y arrive bientôt, hein. C'est incroyable. Regardez ce tableau. Alors, il est complètement effacé. Je vous laisse regarder, je vois pas le nom. Mais je ressens que c'est vraiment des belles énergies qui se passent ici. Regardez ce... Oups, je prends le table. Regardez un petit peu ce lustre. Et cette lumière qu'il y a dans ce pavillon, c'est incroyable. Alors, l'énergie circule parce que toutes les fenêtres sont cassées. C'est super agréable, il fait pas froid, il fait juste une température idéale. Et c'est très lumineux. Voilà mes petites étoiles. Donc, on va s'installer pour la guidance. Voilà. Regardez. Regardez comment on va être bien pour la guidance.
Hop. Je vais essayer de mettre. Comment je vais faire? C'est un peu compliqué, mais je vais y arriver. Je suis en train de réfléchir en même temps. Alors, laissez-moi le temps. Comment je vais faire pour mettre mon trépied? Regardez comment on va être bien là. Et ben je vais faire comme je peux faire. C'est-à-dire que je vais faire comme ça. Voilà, tout simplement. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer, ça bouge, hein, je suis désolée. Je vous fais bouger depuis tout à l'heure. Voilà, je vais installer ça comme ça pour le moment. Regardez, comme ça vous avez la vue sur le pavillon. Moi, je vais pouvoir m'installer. Hop. Voilà. Alors, je vais allumer une bougie parce que comme vous le savez, pour moi, c'est très important d'allumer une bougie. Mais entre nous, hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'essaye que vous m'entendiez bien. Oh là, oups. Bon là, vous avez vu, la porte s'est ouverte. Il y a un coup de grand air. La porte s'est ouverte. Il y a certainement un esprit, quelqu'un qui rentre. Il y a du monde qui rentre là, hein. On va les laisser rentrer. J'espère juste que les gens vont respecter ma vidéo et ne vont pas rentrer à l'intérieur. Parce que sinon, je serais très, très embêtée. Alors, je vais allumer ma bougie si elle veut bien s'allumer. Parce que comme il y a du vent, pas gagné. Je vais essayer d'aller refermer la porte, sinon on ne va pas y arriver. Attendez. Ah, puis alors le briquet qui fonctionne plus. Attendez. Ah, Pierre, je fume pas, j'ai pas de briquet, mon Dieu Seigneur. Bon, bah, ils veulent pas que j'allume de briquet. J'avais prévu une surprise, je vais pas pouvoir la faire. Oh. Bon, ça veut pas. Alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Tant pis, c'est qu'il ne faut pas que j'allume de bougies. On va mettre ça comme ça. Voilà. Donc, excusez-moi, j'essaie de m'installer comme je le peux. C'est surtout comme je peux. Voilà. Normalement, vous m'entendez bien. C'est l'essentiel. Voilà, c'est improvisé, hein. Bon. Donc, on va commencer par purifier les énergies de ce lieu. Alors, où est-ce qu'il y a le micro? Voilà, le purifier les énergies de ce lieu avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Je suis en train de filmer.
Alors, mes petites étoiles, installez-vous confortablement. On va procéder à la guidance, au tirage. J'espère que cette petite visite de ce pavillon de Lille au château d'Ampierre vous plaît. Alors, attendez, je suis en train de chercher mes papiers. J'improvise, je suis désolée. Je suis pas chez moi. C'est pas... Alors, je cherche le papier où je voulais vous parler du château. Alors, où est-ce qu'il est ce papier? Il est là. Alors, tout d'abord, je tiens vraiment à remercier le propriétaire, le château de Dampierre, toute l'équipe du château de Dampierre en Yvelines, au cœur de la vallée de Chevreuse. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour ce geste. J'ai pas de mots pour vous remercier. Je ne sais pas comment vous remercier, mis à part dire à mes petites étoiles, à ma communauté, à ma constellation de venir visiter ce château, de contribuer à la rénovation de ce château en venant le visiter tout simplement, en lui redonnant vie. Voilà. Alors, je vais bouger un peu mon téléphone pour que vous voyez mieux. Donc, je vais vous parler un petit peu du domaine de Dampierre. Donc, c'est en plein cœur de la vallée de Chevreuse. C'est dans le département des Yvelines. Donc, ça fait 400 hectares. Le parc forestier est clôturé d'un mur long de 14 km. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 14 km de mur qui encercle ce château, ce parc magnifique, naturel, bien entretenu, ce grand lac. C'est vraiment un espace de sérénité, de verdure, de bonnes énergies. Il y a des animaux, il y a des petites chèvres, il y a des chevaux. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir la calèche au loin. Regardez, elle passe. Voilà, il y a une calèche avec des chevaux. C'est juste superbe. Alors, je vais tourner parce que s'il y a des gens qui ont essayé de rentrer tout à l'heure, s'il y a des gens qui essayent de rentrer, qu'on puisse être tranquille. Parce que la porte ne veut pas rester fermée, donc on va les laisser ouvertes. On ne va pas contrarier les énergies de cet endroit, de ce bel endroit. Donc, en fait, ça a été construit par la famille Louine après le mariage avec sa fille aînée de Colbert. Il a été leur propriété pendant près de 4 siècles. Il est aujourd'hui propriété d'un passionné d'histoire de l'art, de l'architecture du XVIIe siècle et de l'art équestre. Aux portes de Paris, proche de Versailles, les plus grands rois de France sont associés à ce prestigieux domaine. On a donc Louis XIII, Louis XIV et Louis XV y firent des séjours réguliers pour y apprécier la douceur de vivre dans cette vallée naturelle et verdoyante. L'architecte du château de Versailles, Jules Hardouin-Mansart, y est construit l'œuvre architecturale, excusez-moi, dans un écrin paysager dessiné par André Le Nôtre et ses jardins à la française. Au XIXe siècle, Dampierre a été considéré comme un des lieux incontournables de la recherche. Voilà mes petites étoiles. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos sous la vidéo le lien pour le site internet. Si vous voulez aller voir ce qu'ils font et comment ça se passe et où ça se trouve, n'hésitez pas à venir. En tous les cas, il y a vraiment des belles énergies. Regardez ce soleil. Je vous assure que j'ai commandé le soleil. J'ai demandé aux anges, aux archanges, à l'univers de me permettre d'avoir un peu de soleil aujourd'hui, de vous amener du soleil dans votre vie. Voilà, tout simplement. Regardez comme c'est chouette. Voilà. Alors, donc, je vais déjà regarder avec l'oracle angélique quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance, pour cette vidéo de mes 2 ans. Mes 2 ans de chaîne, mon anniversaire, votre anniversaire, mes petites étoiles. Allez, on y va. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. On a une carte qui se retourne et c'est pas n'importe qui est avec nous, parmi nous, dans ce lieu si magique. On a l'archange Uriel. Alors, on parle d'enracinement, de force vitale, de chakra de la base. Donc, je vous montre la carte. Voilà, donc on a l'archange Uriel qui est parmi nous, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Je vais le mettre sur le chevalet.
Donc, on vous demande vraiment de rester ancré, de vous enraciner, d'accord? De faire preuve de... Alors, attendez, parce qu'il y a du vent. Je vais me débrouiller autrement. Voilà, donc... On vous demande de vous ancrer, de vous enraciner. Vous allez retrouver une force vitale. Je sens qu'en ce moment, vous êtes déstabilisé avec ce qui se passe, mais on vous demande vraiment d'aller chercher au plus profond de vous et de vous ancrer. D'accord ? Donc, le premier chakra, chakra de la base que vous avez ici. D'accord ? Je vous montre tout simplement. Donc, ça parle de structure osseuse, de masse adipeuse, d'enracinement, de stabilité et d'évolution et de sécurité. Donc, si vous vous avez peur en ce moment, si vous vous sentez déstabilisé, ancrez-vous, faites des méditations sur le premier chakra. On vous dit qu'il va y avoir une évolution, une stabilité et une sécurité. Vous allez vous sentir plus en sécurité. En ce moment, avec ce qui se passe, oui, je sais, on se sent complètement déstabilisé, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on se demande comment ça va se passer dans le futur, mais on vous dit qu'il faut vous rassurer parce que vous allez avoir la sécurité et l'évolution. Alors, ensuite on va voir les énergies. C'est marrant, il y a la calèche qui passe de l'autre côté, qui fait le tour du lac. On entend les grelots des chevaux, c'est sympa. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors, si vous voyez des choses, hein, mes petites étoiles, parce que je sens que c'est habité, hein, on n'est pas tout seul. Donc, déjà, on a les anges, les archanges, on a surtout l'archange Uriel qui est parmi nous. Mais je sens que on est observé, je suis observée, je ne suis pas toute seule. Alors, ils me font rire, je les entends rire, ça les amuse énormément que je sois là. Ils trouvent ça rigolo. Et il y a beaucoup de monde qui rentre, hein. Je veux dire, pas du monde physique, mais le monde invisible. J'ai même des personnes, enfin des... Regardez, ils sont assis là, sur la banquette. C'est juste marrant, drôle. Ils sont très, très amusés et... regardez en l'air, regardez là. La charpente. Il y a des anges, il y a des entités. Regardez, ça bouge. Hein. On n'est pas tout seul. Hein. C'est super intéressant, c'est super sympa comme ambiance. Ça s'y prête vraiment. Merci en tous les cas encore à l'équipe du château. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour maintenant et les jours qui viennent? Pour le 14 juillet, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors, on a une carte là que je viens d'aller chercher, j'ai coupé et j'ai été la chercher puisqu'elle ne tombait pas. On a la carte 19, faites de beaux rêves, regardez. Faites de beaux rêves, donc on vous demande vraiment d'envoyer de l'énergie, de visualiser la terre Gaïa, entourée d'énergie protectrice, hein, d'énergie positive. On vous demande de faire de beaux rêves, de rêver, de projeter ce que vous souhaitez, de visualiser la terre dans un monde meilleur, un monde de lumière, un monde d'amour. Il faut vraiment, là, avec ce qui se passe actuellement, je dirais que les énergies sont en train de transmuter, de bouger, et on vous demande de continuer à rêver, d'accord ? De ne pas abandonner vos rêves. Voilà. Alors, j'ai envie de vous montrer les cartes sur la table, on va le faire. Mais j'ai vraiment envie aussi de vous faire profiter du décor parce que c'est quelque chose que vous n'aurez pas tous les jours. Alors, on va essayer de voir comme ça. On va changer un petit peu de point de vue en espérant qu'il n'y a pas de monde qui rentre. C'est ça qui me... Regardez comme c'est joli. Regardez le cadre. C'est pas magnifique? C'est superbe, hein? Je vous laisse un petit peu admirer le lac, le temps qu'il n'y ait personne qui passe.
Alors, on va prendre, j'ai ramené plein d'oracles. On va prendre, je sais même pas combien de minutes, oui, 25 minutes, c'est bon. Je vais prendre le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. C'est un de mes premiers oracles, mes premiers tarots que j'adore. Alors, c'est juste incroyable, regardez. Je vous mens pas, hein. J'ouvre la boîte. Il y a une carte qui s'est glissée comme hier. Alors hier c'était Jésus. Et là vous allez dire, mais Angèle a fait exprès, c'est pas possible. Je vous assure que je ne fais pas exprès et que je ne savais pas. Je suis aussi étonnée que vous. J'ai une carte de Maman Marie qui s'est glissée dans les cartes des anges. Bon, donc je vais vous passer tout de suite le message de Maman Marie. Elle est vraiment parmi nous. Je vous montre, j'ai amené ma statuette de Notre-Dame de la Salette qui est là. Alors la bougie est éteinte, je suis vraiment désolée, mais impossible de l'allumer. Et donc, on a la carte veille. La carte veille, et elle vous dit, je m'autorise à être en sécurité et apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc, Marie, Maman Marie, veille sur vous. D'accord? Si vous avez peur par rapport à ce qui se passe, vous êtes déstabilisé, n'ayez pas peur parce que Marie veille sur vous. D'accord? Superbe carte, super message, c'est incroyable, j'en reviens pas. Bref, chaque fois qu'il se manifeste dans ma vie des choses extraordinaires, pourtant je suis habituée, hein, j'en ai régulièrement. Alors voilà, vous voyez, c'est pas possible de filmer comme ça, il y a des gens qui arrivent. Donc, merci, voilà. Alors, donc, bah tant pis, monsieur, je sais pas qui c'est, il est passé sur la vidéo. C'est pourtant marqué ne pas déranger. Donc voilà. Alors, on a la carte qui est tombée. Guérisseur de l'action. Guérisseur de l'action. Là, on a une maman avec une petite fille. Je sens que vous avez besoin de réconfort. Vous avez besoin d'être rassurée. Maman Marie est là, vous rassure. Vous êtes peut-être une enfant. Votre enfant intérieur qui a besoin de rassurer sa maman aussi. Hein. Peut-être que vous avez une maman actuellement qui a peur, qui n'est pas bien, qui est malade, qui a besoin d'être rassurée, apaisée. Le message, donc guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc, on vous dit que vous faites beaucoup de choses en même temps, moult choses. Vous êtes une maman qui, peut-être, avait plusieurs jobs. Vous passez à l'action, vous faites énormément de choses, vous mettez beaucoup de choses en place. Vous veillez sur vos enfants, vous protégez, vous avez ce côté protecteur, protectrice de vos enfants. Ça parle de guérison. Hein. On vous dit qu'il y a une personne aimante et intelligente et passionnée et drôle qui arrive vers vous aussi. Peut-être que c'est vous. En tout cas, cette personne, elle arrive avec de l'élégance et est capable de gérer plusieurs situations difficiles. Allez, s'il vous plaît. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Alors, on a le 7 de l'action. Défendez vos droits. Alors, je ne triche pas, je les bats, elles tombent toutes seules. Défendez vos droits. J'espère que vous voyez bien la carte. Là, il y a une petite fille avec un parapluie, symbole de la protection. C'est le 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Moi, ce que je ressens, c'est qu'actuellement, il faut écouter votre cœur par rapport à ce qui se passe. D'accord ? Si vous avez envie de dire non, vous avez le droit de dire non. Personne ne peut vous obliger à dire oui ou à accepter. Le message est clair.
Et je pense que c'est par rapport à ce qu'on vit tous actuellement. D'accord? On est dans un. Alors, je suis en France. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. C'est la fête de la mémoration de la prise de la Bastille, la Révolution française. Nos ancêtres se sont battus pour nous, pour notre liberté, pour ces symboles qui représentent la France, la liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, on vous demande de pas faiblir, de continuer à être vous, d'assumer ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Vous avez le droit à être libre. On est dans un pays libre. Quoi que vous puissiez ou quoi qu'on puisse vous faire penser, aujourd'hui, mon rôle, c'est aussi de vous dire que vous avez la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de faire ou de ne pas faire. D'accord? Personne ne peut décider à votre place. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, j'ai deux belles cartes. J'ai la carte 16. Acceptez les changements. Acceptez les changements. Ce que je ressens, c'est vrai que vous avez du mal à accepter ce qui se passe, ce qui change autour de vous, vos changements. Vous êtes perturbé. C'est normal. Le changement, ça perturbe. C'est inconfortable, mais c'est pour aller mieux après. Acceptez-vous, acceptez que ça bouge, acceptez les nouveautés dans votre vie. Alors, vos anges gardiens, alors je vous montre la carte, c'est vrai que c'est pas pratique. Voilà, regardez, vous avez votre ange gardien qui veille sur vous. Vous êtes en train de traverser un pont, une poutre là, vous êtes en train de marcher en équilibre, vous essayez de ne pas tomber, vous essayez de garder votre équilibre. Et je dirais que vous êtes protégé, votre ange gardien, on a tous un ange gardien qui veille sur nous. Il ne faut pas vous inquiéter, d'accord? Tout arrive au bon moment, tout est juste. Ayez confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers et aux anges. Rien ne peut vous arriver. Vous ne tomberez pas. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas tout. Vous n'avez pas de but dans votre vie. Ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Je dirais qu'aujourd'hui, vous devez être harmonieuse. Vous avez envie d'être dans l'harmonie, vous avez envie d'être épanouie, vous avez envie d'être dans la paix. Mais pour cela, il faut assumer ce que vous êtes et ce que vous pensez, et ce qui vibre en vous, et ce que votre cœur vous dit. Écoutez votre cœur. Le cœur sait ce qu'il y a de bon, c'est votre âme. Vous êtes guidée. Moi, j'ai été guidée au château de Dampierre. Pour tout vous dire, c'était la première idée qui m'est venue. Alors, ça m'est venu il n'y a pas longtemps. Comme vous le savez, je suis spontanée. Donc, pour les 2 ans de ma chaîne, je voulais vous faire plaisir. Et je ne savais pas encore où aller. Regardez, je vous fais un petit tour par là. Je ne savais pas encore où aller. Et puis, j'ai demandé à mes guides. Puis, on m'a dit « Château de Dampierre ». Et j'ai dit « Oui, mais il est en travaux ». Vous voyez, je n'ai pas pensé tout de suite à ce pavillon de Lille qui est juste superbe. C'est en appelant le château, en appelant la personne que j'ai eue en ligne qui m'a et c'est venu en canalisation. Je lui ai dit mais je sais que il y a un petit pavillon au bout du parce qu'il m'a dit que c'était pas possible au départ dans le château puisque c'est en travaux. Et puis on me met dans ma conscience mais oui mais il y a un petit pavillon au bout du lac. Alors peut-être que là il y a possibilité et qui ne tente rien à rien. J'ai essayé et on m'a validé ce choix. On m'a validé. On m'a dit oui pas de souci. Avec plaisir. Vous voyez, j'aurais jamais pensé. C'est un endroit atypique, c'est un endroit extraordinaire. J'ai la chance, et vous avez la chance d'être là. On est vraiment privilégiés. Voilà. Merci l'univers, merci le propriétaire, Francky Mulez, de ce château magnifique. J'espère un jour pouvoir vous faire une vidéo dans le grand château. Mais là, on est dans le petit château en miniature. Mais peu importe, tout ce qui est petit est mignon, tout ce qui est petit est charmant. C'est notre petite bulle, petite bulle d'amour, notre petit cocon. On est bien. Regardez, il y a du mobilier d'époque. Regardez, si c'est pas joli tout ça, franchement. Hein?
Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors oui, c'est l'opposé du grand, c'est à l'opposé, mais je trouve qu'il a énormément de potentiel, énormément de puissance. Il a beau être petit, ce pavillon, il est juste radieux, lumineux, magique. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots tellement c'est beau. Regardez. Regardez les fresques sur le mur là. Je vous montre parce que c'est juste magnifique. Ces arbres, c'est la famille. C'est le symbole de la famille. Alors il y a un cœur avec écrit Cyril sur le mur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Attendez. Peut-être un symbole pour une petite étoile. Voilà, il y a écrit Cyril ici. Et il y a une barrière, il y a de l'herbe, il y a les arbres. Ça parle de famille, d'ancrage, d'héritage. Ça parle de vraiment, il y a quelque chose avec la famille. Hein. Voilà, vous allez certainement voir des choses sur le mur. Moi, je vois un visage ici, avec une bouche, un œil. Regardez ce que je vois. Voilà, moi je vois un œil avec un nez et une bouche. Je vois un ciel rose. On a les briques, ça représente pour moi le nord. C'est le pavillon de Lille, ça peut être aussi un clin d'œil pour quelqu'un qui est d'origine de Lille, parce que les briques rouges, c'est aussi tout ce qui est construction dans le nord, c'est avec des briques rouges. Et Lille, on peut l'écrire dans différentes façons. Donc, c'est assez drôle. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire qu'il faut accepter et qu'il faut avoir confiance. Rassurez-vous, vous êtes protégé. Rien ne peut vous arriver à partir du moment où vous écoutez votre intuition et votre cœur. Alors, là, j'ai une autre carte qui est tombée. C'est la carte 17. La carte 17, ça représente l'étoile. L'étoile dans le tarot de Marseille, donc mes petites étoiles, c'est clair que là, ce tirage est pour vous. En tout cas, ça parle de joie et de gratitude. Oui, j'ai énormément de joie. J'ai énormément, excusez-moi, j'arrive plus à parler avec l'émotion, énormément de gratitude d'être là. Merci les anges, merci l'univers et merci l'équipe du château de Dampierre en Yvelines, dans le cœur de la vallée de Chevreuse. Merci. Alors, on vous dit joie et gratitude. Je vois deux anges, l'un à côté de l'autre, qui tiennent un livre. Peut-être, c'est peut-être le livre du destin, c'est votre vie. Je vois quelqu'un qui est proche de vous, une amie, une sœur, quelqu'un que vous considérez comme votre sœur ou votre frère. Alors, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. On vous dit de garder foi et d'avoir foi en l'avenir, mes petites étoiles. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Les anges sont là. Ils vous guident, ils veillent sur vous. Très bientôt, vous allez vous sentir mieux. Il faut voir plus loin que le tunnel, il faut aller voir plus loin que le bout du tunnel. Voyez la lumière, suivez la lumière, ne suivez pas l'ombre. Suivez votre cœur, suivez votre instinct, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Magnifique tirage, magnifique message. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, je vais prendre une gorgée d'eau. Voilà, alors, maintenant j'ai les archanges qui veulent passer des messages, le tarot des archanges, voilà, il est là, de Dorine Virtue. Alors vous voyez, j'avais des messages à faire passer, je ne savais pas comment les faire passer, tout en douceur, en bienveillance et en délicatesse. Et vous voyez, les anges le font, me guident, vous passent des messages que vous devez entendre à travers les mots, à travers les lignes, entre les lignes, tout en douceur. D'accord? Vous voyez là, j'essaie de vous montrer là, le trésor, là, la boîte que j'ai ouverte. J'aurais jamais pensé qu'il y avait quelque chose d'aussi beau à l'intérieur. C'est magnifique, c'est doré, c'est des lustres. Oh, un papillon, attendez.
Oh, faut que je vous le filme. Il est où? Il est là. Ah! Je veux que vous le voyez. Regardez. Attendez. Il est là. Regardez le papillon. Oui. Il rentre dans le... Ah, c'est magnifique. Alors, le papillon, c'est le symbole de la transformation, de la mutation, du changement. D'accord? Donc, il faut voir derrière les nuages, au bout du tunnel, il y a le changement. Il y a un bon changement. On vous demande aussi de prendre votre envol en tant que papillon, de laisser la chenille. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes là, on est dans un cocon, on est comme des chenilles et on va sortir, on va être transformé, on va voler. Voilà, il faut que vous visualisiez cette transformation et ce bonheur qui arrive. Il faut vraiment que vous projetiez et vous continuez à visualiser la Terre Gaïa et ces changements qui sont en train de se mettre en place au niveau des énergies, mais vraiment les visualiser dans le positif et dans l'amour. Allez, c'est parti. Je m'attendais pas à avoir un papillon. Il y a des surprises ici, hein. C'est super. L'inattendu. Alors, j'ai eu des visites, des gens qui ont essayé de rentrer, mais les portes sont ouvertes et je leur ai signe de ne pas rentrer. Alors, c'est génial parce qu'ils respectent. Et je sens qu'il y a des anges et des archanges à l'entrée qui leur disent dans leur conscience de ne pas rentrer. Regardez, ils valident avec la chaîne qui fait du bruit. La chaîne de la porte. On me dit oui, c'est ça. Alors, on a Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. On vous dit de faire confiance à vos ressentis, à ce qu'on vous met dans votre conscience. D'accord? Vous êtes quelqu'un de compréhensif, de gentil, de généreuse et d'intellectuel, ou il y a quelqu'un qui arrive comme ça dans votre vie, que vous allez avoir autour de vous, qui va être guidé jusqu'à vous. On vous dit de faire ce que votre cœur vous dicte. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas les autres autour de vous. Écoutez ce que vous ressentez au plus profond de vous. Si vous n'avez pas envie ou si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le ou ne le faites pas. D'accord? En tous les cas, je sens qu'il y a beaucoup d'amour qui arrive dans votre foyer, dans votre famille. Et on vous dit que vous allez avoir des informations dignes de confiance, livrées dans votre intellect, dans votre conscience. Faites-vous confiance. Ensuite, on a le 4 de Dariel. Alors, on a l'archange Uriel et là, on a le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser et économiser son argent. On vous demande là de savoir donner, c'est aussi recevoir. Donner, c'est aussi recevoir. C'est-à-dire qu'il faut savoir donner pour recevoir. C'est pas que dans un sens, c'est une énergie. Et l'énergie, c'est... Je ressens là qu'il y a peut-être des origines japonaises ou asiatiques pour certains ou certaines ou dans une vie antérieure. Vous êtes attiré par l'asiatique, par le japonais, par vous aimez peut-être manger chinois ou japonais comme moi. Il y a une résistance au changement, hein? Et vous résistez, mais résistez si le cœur vous en dit. Si vous êtes appelé à résister, résistez. Mais ne résistez pas, comment dire, en étant fermé. Attendez, ce que je canalise, c'est que si il faut accepter le changement. Bien sûr qu'on ne peut pas rester dans des choses du passé. Mais il y a eu des choses qui ont été gagnées dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous, pour notre liberté, qui sont morts même. Et notre devoir, c'est de les respecter, de les aimer et de ne pas reculer. C'est-à-dire que ces gens-là ont défendu des valeurs de liberté, des valeurs d'égalité, de fraternité, et on ne peut pas les ignorer. On ne peut pas aller en arrière.
Si aujourd'hui on cesse la liberté, si on empêche la liberté et s'il n'y a plus d'égalité et de fraternité, c'est comme si on retournait en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous dit qu'il faut être dans le changement, avancer. Alors on vous dit de faire attention à vos dépenses aussi, économiser son argent, faire des bons placements, faire attention où vous placez votre argent. D'accord? Ensuite, j'ai un nouveau départ avec l'archange Jérémiel. C'est la carte 20. Donc, il y a vraiment un grand changement là qui arrive, un nouveau départ. Je vois une famille, je vois la montagne et je vois l'archange Jérémiel qui vous guide, qui vous aide à traverser ces montagnes, ces obstacles. D'accord? On vous guide. Écoutez votre cœur et votre conscience. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Vous allez commencer une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui va changer votre vie, mais on vous demande d'avoir des buts, des rêves, de continuer à rêver. La première carte, c'était faites de beaux rêves. Continuez à être dans des belles énergies, des rêves, manifestez l'amour, manifestez l'énergie d'amour et de lumière autour de la planète. Pour que ça change, pour que ça aille dans ce sens. Alors, qu'est-ce qu'on est bien ici? Je pourrais rester des heures et des heures, mais non, je ne vais pas abuser. Alors. Tac. Alors, je voulais vous faire des vidéos dans d'autres endroits, des petits endroits du château, du parc. Je vais voir, mais je pense pas en faire. Je veux vraiment que vous ayez envie de le découvrir par vous-même. Alors, je vais voir. Peut-être que je vais m'arrêter à des endroits où je vous ferai des petites vidéos, mais pour le moment, ça serait bien que vous ayez cette envie de venir. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On me dit, où est-ce que j'ai mis mes oracles? Oui. On me dit de prendre mes oracles parce que oui, ça fait 2 ans que ma chaîne existe déjà. Et que bah, pendant ces 2 ans, j'ai créé quand même 4 oracles. Et bientôt des nouveautés, je vous en dis pas plus. Et donc, bah, je veux les mettre à l'honneur, je vous les faire découvrir si vous ne les connaissez pas. Alors, mon premier bébé, comme vous le savez, c'est l'étoile du soleil. Donc, c'est un oracle avec les énergies de l'étoile du soleil. Je vous montre le dos pour ceux et celles qui ne le connaissaient pas. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez me le commander. J'en ai en stock. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer. On entend les grenouilles. Vous entendez? On a le droit à un concert de grenouilles. Allez, s'il vous plaît. Peut-être il y a un crapaud, il y a peut-être un prince charmant. Je vais aller lui faire un bisou. Il va peut-être se transformer en prince. Ils vont se dire, elle est complètement barge, la Angèle. Ils vont me voir, l'équipe du château, ils vont me voir, comment dire, embrasser un crapaud. Ils vont dire, mais elle est pas bien celle-ci. Alors, j'ai envie de baisser le pour que vous puissiez voir les cartes quand même. Je pense que vous avez profiter de. Je vais essayer de. Voilà, je sais pas si on peut voir. Maman Marie, elle est là. J'ai ma bougie qui est éteinte, mais bon, c'est comme ça. Hop, j'avais préparé une surprise, je pourrais pas le faire. Mais bon, c'est comme ça. C'est qu'il faut pas que je le fasse. Peut-être tout à l'heure, le briquet voudra bien s'allumer. Et puis, ça ne va pas comme ça, en fait. On voit pas. Il y a un contre-jour. Alors, bon. Je vous montre ma Marie de Notre-Dame de la Salette avec les anges. Regardez comme elle est belle. Voilà. Voilà. Bon. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà. On a la demande en mariage, l'engagement. Donc, il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Et qui va vouloir, et qui veut s'engager avec vous, qui veut vous demander en mariage.
Ça parle vraiment d'engagement. Alors, j'aimerais pouvoir filmer la table avec mes cartes, mais c'est un peu compliqué. Non, excusez-moi, j'improvise, hein. On va retourner par là, c'est plus sympa. Puis alors maintenant, c'est à Stevie, c'est mon truc. C'est un vrai bonheur. Hop. Voilà. Donc, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui veut s'engager. Ça me parle d'engagement. Peut-être. Alors, ça peut parler d'amour. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un là. Il y a des sentiments d'amour qui sont autour de nous. Il y a quelqu'un qui souhaite vous demander en mariage ou quelqu'un qui souhaite s'engager avec vous. Ça peut aussi parler de travail, de partenariat, d'accord? D'engagement, de signature de contrat. Comme c'est général, je prends vraiment tous les messages qui me viennent. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Il y a une carte qui s'est retournée et on a la destinée. Donc, il y a quelqu'un qui vous est destiné là, qui va vous rejoindre. L'univers vous l'envoie, il ou elle. Il y a vraiment le destin. C'est quelqu'un qui vous est destiné pour le mariage que l'univers vous envoie. Alors ça, c'est vraiment des belles énergies, des beaux messages que je vous dis à travers cette vidéo des 2 ans. C'est waouh, j'en reviens pas. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oh, c'est beau. On a la carte âme sœur, connexion d'âme qui est tombée. Donc là, il y a vraiment votre âme sœur, quelqu'un avec qui vous avez une grande connexion d'âme, qui vient vers vous, l'univers vous l'envoie. C'est votre destinée pour un mariage, pour un engagement. Quelqu'un qui souhaite vraiment fonder une famille, construire quelque chose avec vous, s'engager avec vous. Il y a une grande connexion, il n'y a pas besoin de parler. Vous allez vous reconnaître, ça va être très très puissant. Ça va être très très fort, très lumineux. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a de l'ambition. D'accord? Quelqu'un avec qui vous avez une grande télépathie, vous allez communiquer même sans parler. Il y a vraiment un lien d'âme, il y a des transmissions de pensée. J'ai quelqu'un qui pense fortement à vous là, et vous le sentez. En ce moment, je dirais qu'il y a quelqu'un qui est submergé par le travail, qui essaye de se mettre dans le travail pour ne pas penser à vous, si c'est quelqu'un que vous connaissez, qui essaye de se mettre à fond dans le travail pour éviter de penser au sentimental. Ouais, il y a de la distance là. Quelqu'un qui a pris de la distance. Il y a une incompréhension, il y a un désaccord, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous tourne le dos et qui a pris des distances. Et pourtant, cette personne pense énormément à vous. C'est incontrôlable, c'est quelque chose que cette personne n'arrive pas à contrôler parce que c'est plus fort que lui ou qu'elle. Vous êtes dans sa tête. Depuis qu'il y a une distance, c'est pas parce qu'il y a de la distance et de la non-communication et un silence que cette personne ne pense pas à vous. Et là, j'ai la carte de l'invitation. Cette personne vous invitera. Vous allez avoir une invitation. Vous allez vous retrouver lors d'un dîner ou d'un déjeuner. Alors, pour ceux et celles qui ont la chance d'être au bord de mer, ça peut se passer sur la plage. Au bord de mer, il y a une invitation. Un petit repas romantique avec des chandelles. Alors. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Oups, ça tombe. Alors, on vous dit donc l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, ça sert aussi à ne pas faire de cauchemars. Peut-être que là, on vous dit vraiment de faire de jolis rêves, de continuer à faire de beaux rêves, on vous l'a dit au début. Mettez peut-être un attrape-rêve si vous avez possibilité au-dessus de votre lit pour vous éviter, pour vous apaiser, pour éviter de faire des mauvais rêves. Mais ça parle aussi de relations karmiques. Donc pour moi, je vais changer de bras. Pour moi, ça parle de quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. D'accord? Une vie antérieure.
ou une personne avec qui vous vivez en parallèle dans une autre vie. Parce que j'ai vraiment ça dans la conscience, j'en ai pris conscience, et je pense sincèrement que l'on vit, et vous, j'en ai déjà parlé, qu'on vit plusieurs vies en même temps, sur d'autres espaces-temps, sur d'autres univers, sur d'autres énergies. Et peut-être que cette personne, quand vous la voyez ou quand vous allez la rencontrer, vous allez avoir l'impression de la connaître déjà. Il y aura déjà de la télépathie, il y aura beaucoup de communication hors parole, hors verbal, mais tout dans les pensées, la conscience. Alors, je vois des enfants là qui font du vélo, enfin une sorte de, je sais pas comment on appelle ça. C'est pas une Rosalie, je sais pas. Ça parle d'enfants. Peut-être que cette personne avait des enfants avec vous dans une autre vie ou aimerait avoir des enfants avec vous. L'enfant, c'est aussi un nouveau projet. C'est la fusion de vos deux êtres, de vos deux âmes. Ça parle de famille, ça parle de votre enfant intérieur aussi. Vous ressentez à l'intérieur de vous beaucoup de choses. Il y a une incompréhension. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solitude suite à un départ, là. Je vous sens vraiment dans l'incompréhension. Je vous sens vraiment seule, vous vous sentez mal toute seule. Il y a quelqu'un qui vraiment a pris des distances sans raison. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oula. Alors, on a l'ange gardien qui est tombé, la protection. Donc votre ange gardien est là parmi nous pour aujourd'hui, pendant cette guidance, dans le pavillon de Lille, au sein de la propriété du château de Dampierre. Il est là, il veille sur moi, sur vous. Il vous dit qu'il y a la protection. Il y a l'enfant, il y a le bébé. Vous voyez, je le voyais passer, je les voyais passer, les enfants, et là, ça ressort. Il y a une naissance, il y a un nouveau projet. Il y a une renaissance là. Il y a beaucoup de tendresse et de passion entre vous. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui vous donnera énormément de passion et de tendresse. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, entre vous, c'est des sentiments tendres et c'est passionnel. J'ai la carte de l'étoile du soleil qui est sortie. C'est la meilleure carte de mon oracle. Faites un vœu, mes petites étoiles, aujourd'hui, maintenant. Mettez sur pause si vous voulez. Concentrez-vous, réfléchissez pas trop et demandez ce que vous voulez parce que ça sera exaucé grâce à cette carte. C'est un beau tirage, hein? Alors, on parle de famille recomposée, donc certainement que vous ou lui avez des enfants, ou chacun de votre côté, et que vous allez vous recomposer une famille. Vous allez tout réunir ces enfants. Vous réunir et faire une famille. On vous dit que vous allez recomposer avec, comment dire? On vous dit d'accepter ses points forts, ses points faibles, ses différences. Oh, c'est magnifique. Attendez, je vous fais une vidéo là. Regardez en l'air, là, il y a l'oiseau. Ah, oh, c'est trop beau. Oups, attendez. Angel, elle perd le. Regardez. Il y a un oiseau qui était là. Alors, c'était une. Je pense que. Je ne suis pas sûre que c'était une hirondelle, mais si c'est une hirondelle, c'est symbole. Alors, attendez. C'est symbole du bonheur. Oh, magnifique. On a un pigeon. Il y a tous les oiseaux qui arrivent. Regardez. Attendez. Il est où? Il est là. Il est là sur la charpente. Regardez. Il nous observe. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là, le pépère. Ah non, c'est magique, hein. Franchement, j'aurais jamais pensé que tout ça allait arriver aujourd'hui, hein. Je suis super heureuse. Alors, l'oiseau. Les oiseaux, c'est la communication. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un pigeon, une colombe. Ça peut être la paix. Ah, regardez. Pour moi, ça parle de paix et de communication. Hop! Il repart. Ah, regardez, on voit sa queue. Oh là là, Angèle, qu'est-ce que tu racontes? On voit ça. Il y a un oiseau qui va vous montrer.
Bon, vous m'avez compris. Alors attendez, je repose au lieu de dire des bêtises. Hop, voilà, je remets tout en place. Tout va bien. Je vous dis pas. J'ai le temps de raconter des bêtises tout en filmant l'imprévisible. Bon, l'invisible, l'imprévisible. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus, j'ai été complètement. Donc je vous parlais de communication, de paix, puisque regardez, les oiseaux sont là. J'en ai encore un petit là-haut. Ils n'arrêtent pas de rentrer. Donc vraiment, ça parle de nid, ça parle d'oiseau, un oiseau qui revient, qui va faire son nid, qui vient dans votre nid, dans votre maison. Ça parle de communication. Alors attendez, j'essaie de vous montrer celui-là. Il est là, vous avez vu? Regardez comme c'est mignon. Voilà, bon, on va rester comme ça. Donc ça parle vraiment de communication, quelqu'un qui vient chez vous, qui rentre vraiment, vous n'y attendez pas, quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va communiquer avec vous, qui va peut-être faire la paix. Il y a eu deux sortes d'oiseaux, hein. Il y a eu la colombe ou le pigeon ou je ne sais pas, je sais pas trop ce que c'était, avec un petit oiseau qui ressemblait à... Alors c'était pas une hirondelle, mais je pense que ça ressemble beaucoup. Donc je dirais que vous êtes tous les deux différents, tout en étant à vous courir après, parce que c'est comme si le gros oiseau cherchait le petit et le petit cherche le gros. Vous voyez, il y en a un qui sort, l'autre qui rentre. C'est vous jouez à cache-cache en fait. Et puis là j'ai la carte de l'homme qui pense à vous. Donc j'ai un homme, un masculin, qui pense énormément à vous. Et puis, ce qui est incroyable, je vous jure, je n'ai pas tiré les cartes à l'avance, hein. Elles sont tombées. J'ai la femme qui pense à vous. Alors donc, vous êtes tous les deux, chacun de votre côté, à vous chercher, à penser l'un à l'autre, que vous vous connaissiez ou pas. Si vous ne vous connaissez pas, c'est que vous pensez et vous demandez et vous souhaitez rencontrer enfin la bonne personne. Et si vous connaissez cette personne, en tous les cas, vous êtes l'un à l'autre à penser l'un à l'autre. D'accord? Un peu comme ces oiseaux qui se cherchent. Alors, on va voir. On est à 1h02, 46. On me dit de prendre. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que. Bon, c'est comme la vidéo de mon anniversaire de chaîne, hein? Et elle est magnifique cette vidéo. Franchement, j'adore. Vous me direz si vous. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé cet endroit et cette guidance qui a été complètement improvisée avec tout mon cœur et toute mon âme, avec tous ces petits éléments de la nature, les grenouilles qui font un concert, les oiseaux qui rentrent, les portes qui s'ouvrent toutes seules, cette présence, ces présences que je ressens. Là, vous voyez, sur ce siège, je sens qu'il y a des personnes qui sont assises et qui nous m'écoutent, qui nous écoutent. Regardez, ça bouge. Le vent rentre. Il y a un coup de balai, il y a un coup de vent, il y a quelque chose qui va être poussé, qui va être nettoyé là. Ça parle aussi des signes d'air, hein. Beaucoup de signes d'air. Oui, avec l'air. Il y a les signes d'eau, puisque à droite, on a le lac. Donc tous les signes d'eau, tous les signes d'air. Ascendant aussi. Magnifique. Bon, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que je viendrai vous faire une guidance ici. Alors, je pense que c'est un début, hein. La prochaine fois, ça sera dans un autre endroit du château, certainement. Invitation à l'intuition, ça c'est mon deuxième bébé. Il m'en reste. Je vous invite à m'envoyer un mail si vous voulez l'acquérir. C'est donc mon deuxième bébé, mon deuxième oracle, pas mon nouvel oracle, mais mon deuxième oracle dans l'ordre chronologique. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Il y a encore un oiseau, incroyable. C'est juste incroyable. Allez, s'il vous plaît. Des messages, mes guides, tous les êtres de lumière, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière.
Alors là-bas, il y a des fioles en verre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait des recherches, des études en chimie, alchimie, je sais pas. Ça parle d'alchimie, hein. Vraiment. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher, je coupe et j'en prends une. Meilleure amie comme deux sœurs. Tout à l'heure, on les a sorties. Hein. Donc pour moi, je dirais que vous allez être pas seulement amoureux, mais vous allez être aussi les meilleures amies. Vous allez être son confident, sa confidente. Il va y avoir vraiment beaucoup de complicité. Vous allez vraiment, ça va être tout. C'est quelqu'un qui va être votre ami, votre amour, votre amant. Peut-être aussi que c'est via une amie ou un ami. Il y a peut-être des choses qui se passent aussi avec votre ami, votre meilleur ami, ou c'est votre meilleur ami, ça sera votre meilleur ami. On va regarder. Là, il y a des cartes qui tombent. Donc, c'était la carte 85, c'était peut-être aussi une année de naissance, ça vous parlera. Ensuite, on a Miss Tulipe. Alors, je sais qu'au château, fut un temps, quand j'étais plus jeune, je venais au château de Dampierre, c'était rempli de tulipes. Et je ne sais pas s'ils le font, mais je pense que oui. Il y a des magnifiques tulipes dans le parc. Donc, on a Miss Tulipe. Et c'est la carte 19. Peut-être un signe pour vous. Votre amour finira par triompher. Contemplez-moi, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Voilà. Donc, clairement, on vous dit que votre amour finira par triompher. Vous allez vous laisser porter par l'air, hein, par l'univers. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Ça parle de signe de terre, ascendant signe de terre ou signe lunaire. On parle d'un taureau, d'une vierge ou un capricorne. On parle de synchronicité. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, l'univers va être synchro, va amener des synchronicités dans votre vie. On parle de déclic, de plan divin, de destinée, de chemin de vie, d'engrenage. Tout arrive au bon moment. Rassurez-vous. Tout est en place, tout arrive au bon moment et tout est juste. Et regardez encore ce que je vous sors. Ne craignez rien, il y a la protection divine avec ce grand, grand parapluie. Laissez-vous porter comme Mary Poppins. Il y a la protection divine. Rien de grave ne peut vous arriver. Il gère, il vous protège. Voilà. Ensuite, je vais prendre le petit oracle. Mon deuxième, non, mon troisième bébé. J'ai beaucoup d'enfants. Entre Nessie, ma fille, et mes oracles, ça fait beaucoup d'enfants. Alors, on a le petit oracle d'Angèle, mon petit bijou nacré que vous pouvez emmener partout, dans votre sac, dans votre boîte à gants, votre sac de plage. Si vous vous posez des questions, vous avez besoin d'une réponse, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail pour le commander, j'en ai en stock. Allez, un message pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Hop. Le message est savoir pardonner. Alors attendez, j'espère que la mise au point se fait bien. Je n'ai pas l'impression. Bon, c'est pas très grave. Attendez. Ah, je suis têtue, hein. J'aimerais bien que ça fasse la mise au point. Bref, c'est pas grave. Alors, savoir pardonner pour être pardonné. Donc, je pense que si la mise au point ne se fait pas sur la phrase, c'est que le plus important, c'est ce qui se passe derrière. D'accord? Voilà. Savoir pardonner pour être pardonné. Très, très beau message. Donc, ça parle vraiment de pardon, hein? Se pardonner à soi, pardonner à son autre, pardonner ce qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous a pas plu, de mettre votre ego de côté pour pouvoir avancer. Alors, hop. Et pour terminer, on va prendre un message de son âme, de son cœur, avec mon quatrième bébé, You and Me.
mon oracle qui parle de vous et, enfin, lui et vous, ou vous et elle. Son cœur, son âme vous parle, d'accord? C'est le même format que le petit oracle, vous pouvez l'emmener dans votre sac à main, dans votre sac de plage, n'importe où. Il est girly, il est nacré, il m'en reste, vous pouvez m'envoyer un mail. Allez, s'il vous plaît, les messages tombent. Nos différences ne me gênent pas. J'accepte tel que tu es. Je t'accepte tel que tu es. C'est la mise au point, c'est pas Jojo. Bref. Voilà. Nos différences ne me gênent pas. Je t'accepte tel que tu es. C'est quelqu'un qui vous acceptera et qui vous accepte tel que vous êtes. D'accord? Allez, encore un autre message, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Vous vous rendez compte ce que j'ai fait en 2 ans quand même? Et c'est pas fini. J'ai fait beaucoup de choses. Tous ces oracles, allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages précis. J'aimerais avoir une conversation de cœur à cœur avec toi. J'aimerais avoir une conversation de cœur à cœur avec toi. Quand je vous dis que cette personne va revenir à la communication, j'aimerais vous parler. Vous jouez un petit peu à cache-cache, là, hein, comme les oiseaux. Mais vous allez vous trouver, c'est sûr. Ne doute pas de mes sentiments car ils sont sincères. Ne doute pas de mes sentiments car ils sont sincères. Cette personne aura ou a des sentiments sincères pour vous, quoi qu'il arrive. D'accord? Bon, bah voilà, c'était le tirage de mon anniversaire de chaîne des 2 ans de Angèle Lumière Divine. Je vous remercie infiniment. J'espère que vous m'avez bien entendu tout le long, que l'image était agréable, que ça n'a pas trop bougé, que vous n'avez pas eu le mal de mer. J'ai fait de mon mieux. Voilà mes petites étoiles. Je vous refais un petit tour d'horizon parce que c'est juste magique. Magique, magique. Regardez. Voilà. Hop. C'est vraiment beau. Regardez. Tac. Voilà. Quelle chance j'ai eu et qu'on a eu tous ensemble, tout ensemble, mes petites étoiles, d'être dans ce lieu si particulier, si beau. Regardez, la lumière passe. Voilà. Et j'entends les corbeaux. Les corbeaux, c'est... Alors, il y a peut-être quelqu'un qui colporte des choses. C'est aussi la connexion à l'invisible, hein. Le corbeau, c'est la connexion avec l'au-delà, d'accord? Donc, il y a une belle connexion. Je pense qu'on n'est pas tout seul et je le ressens. Je ressens beaucoup d'énergie de roi, de princesse, d'architecte. Regardez, parce que là, il y a quand même les plans. Je pense que il y a des énergies d'architecte, hein, de chercheur, d'écrivain. Regardez. De philosophe, on me dit aussi. Et là, j'entends quoi? J'entends les canards maintenant. Bon, il y a quelqu'un qui va faire son canard. Il y a quelqu'un qui va vraiment faire son canard qui arrive. Je suis super heureuse en tous les cas de vous avoir fait profiter de ce lieu juste magique. Regardez comme c'est chouette. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Merci d'être là, merci de liker, merci de partager, de vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je rappelle qu'on est 42 000 abonnés. On y arrive, on n'est pas encore tout à fait, mais on y est, presque. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur abonner, en activant la cloche pour avoir les notifications quand je fais de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est d'écouter son cœur. Et l'être le plus important dans votre vie, c'est vous.
et écoutez-vous. Voilà, et n'oubliez pas surtout que je vous aime, mes petites étoiles, je vous aime. Je veux vraiment votre bonheur, je veux vraiment vous faire plaisir. Et c'est pour ça que je fais toutes ces choses incroyables pour ma chaîne, pour vous, pour que vous puissiez profiter de ce cadre idyllique, merveilleux, magique. Voilà, je vous fais des gros, gros, gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un nouveau partage. Et puis, je vous aime. Mouah, mouah, mouah.